monde a besoin de sortie de l'esclavage, Seigneur. Alors moins nous, Seigneur, moins nous. Soutiens-nous par ton onction. Ah, Jésus, le monde attend ardemment. Ah, ce verset-là est devenu très vrai dans notre vie aujourd'hui. Le monde attend, le monde souffle les douleurs de l'enfantement en ces temps, et le monde attend notre révélation. Mais nous ne voulons pas partir tel que nous sommes là. Nous voulons partir avec ton onction. Nous voulons partir avec ta sagesse, la maturité qui vient de toi. Alors viens nous moindre, Seigneur. Alors que tu as mis ce programme à part pour nous remplir de ta maturité, de ton onction, de ta sagesse, Seigneur, pour nous relâcher dans ce monde perdu. Sugar, qu'il a trop duré.
Semaine, je disais au Saint-Esprit, moi j'ai peur de faire le pas dans le ministère et de me retrouver à faire des erreurs, de me retrouver à être disqualifié. Oh, j'ai aimé la réponse du Saint-Esprit. Pierre dit qu'il a les paroles de la vie et c'est vrai. Il m'a dit, regarde Saül. Et regarde David, il dit, le peuple a choisi Saül, et moi j'ai choisi David. Il m'a dit, est-ce que David n'a pas fait un erreur? David a fait bien pire que Saül. David a tué le mari de quelqu'un. Il a pris la femme de quelqu'un. Ah. Mais il dit, tu vois, je dis de ce David que mon fils est assis sur son trône. Il dit, les hommes ont choisi Saül, mais moi j'ai choisi David. Ah, celui que tu choisis, Saint-Esprit, c'est toi qui l'intronise, c'est toi qui le soutiens, c'est toi, Saint-Esprit.